Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action. Alors, je pense qu'il va être long parce que c'est un méga haul action. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré Joëlle, c'est une abonnée. Et c'est elle qui est venue me voir, en fait. Et ça m'a fait super plaisir de la rencontrer comme ça et... Je sais pas comment elle a fait pour me reconnaître, mais bon, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, j'étais très contente de te rencontrer, Joël. Donc, oui, je sais, ça fait bizarre, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, ben, mon fils Théo veut m'accompagner pour ce haul. Il va me faire passer des articles. Hola. Mais tu parles pas? Oui, hola. Bon, donc, on va commencer. Alors, j'ai pris un lot de 3 grosses boîtes plastiques. C'est cela, là. Je les ai défaits parce que j'ai mis les trucs dedans. Pour 9,90€. Ouais. Ensuite, j'ai acheté 2 figurines de Noël. Donc, celle-là pour mon fils, qui était à 1€ et quelques... Je pourrais pas vous dire les prix exacts parce qu'il y en a tellement que... Et pour ma fille, voilà. Hop. Ensuite, j'ai acheté des boules de Noël. Alors, normalement, il y en a 2. Donc là, c'est la Bambi. Elle est juste magnifique. Voilà. Pareil, c'est 1€ et 4. J'ai pris 2 ours, un chacun, donc à 1€ et quelques aussi. J'ai pris à manger pour les bâtons, la friandise pour le lapin, parce qu'il faut que je fasse le stock, puisque qu'il a mangé le pauvre quand je serai pas là. J'ai pris des gâteaux comme ça. Alors, il y en a beaucoup, il y en a 4 paquets, donc pour chez moi et pour là-bas, quoi. Des piles AA, les Panasonic, à 1,79€. Je ne l'ai pas montré, le pingouin. Un pingouin, j'ai craqué dessus. Il est trop mignon, il est trop chou. Voilà. C'était pareil, 1€ ou 2€. J'ai pris des cotons-tiges. Ça, c'est parce qu'il m'en fallait. Donc, il y en a 2 paquets, normalement. Mais ça marche en double. Là, ce coup-ci... J'ai pris, alors ça, vous les reconnaissez, voilà. Marielle m'en avait offert un paquet. Et ben, je les adore. Donc, du coup, j'en ai pris. Il y en a 2 paquets de chocolat blanc noix de coco. Et 2 paquets comme ça. Donc, bon, je précise qu'il y en a pour les enfants aussi. Et il y en a, c'est pour ma cure. Voilà. Ensuite, j'ai pris, pour amener là-bas, pour... parce que mon fils va venir me rejoindre une semaine, puisque ce sera les vacances. Et du coup, j'ai pris des gâteaux comme ça. Ce sera facile. Mes fameuses nouilles. Alors ça, c'est pour ma fille, pour quand je ne serai pas là. Comme ça, quand elle rentre le midi, elle peut manger ça. C'est elle qui me l'a demandé. Donc c'est au poulet. Ah oui, ça. J'ai pris 2 petites figurines. Elles sont trop mignonnes. Voilà. Donc, ça, pareil, c'était 90 centimes, tout comme ça. Les friandises à la carotte pour mon lapin. Du dentifrice. Là, pareil, il y en a 2 ou 3. Il y en a 2, je pense. Ensuite, je me suis pris une brosse qui sont très bien de chez Action. J'en avais déjà pris. Donc, du coup, là, c'est pour moi, pour la cure, comme ça, je laisse la brosse à ma fille, quoi. Des lingettes
dépoussiérante. Parce que oui, on n'aura personne hein, pour faire le ménage. Donc voilà. Voilà, ça c'est les deux autres paquets. Voilà. Des bâtonnets aux légumes. Donc les autres, je ne sais pas si c'était au miel, je crois. Ouais, miel. Des galettes encore. Ensuite, des gaufres au chocolat. Donc en même temps, j'en profite pour donner mon avis, puisqu'on m'avait demandé de donner mon avis. Donc, ces gâteaux aux amandes, c'est juste une tuerie. Bien gras, mais une tuerie. Et les gaufres au chocolat, elles sont bonnes aussi. La preuve, j'en rachète, donc c'est qu'elles sont bonnes, quoi. Deux bougies. J'ai pris deux bougies habituelles. Hein. Vous savez que j'adore ces bougies-là. C'est toujours les mêmes, pomme cannelle. Voilà. Une paire de chaussettes douillettes. Deux paires de chaussettes toutes douces et toutes chaudes. Pour. Oui, je suis très frileuse. Et donc, quand je dois aller à la montagne, j'ai rien en fait pour le froid. Donc, du coup, c'est très bien. Voilà, le soir au chaud. Une autre paire de chaussettes. Un lot de trois paires de chaussettes, parce que ma fille m'a piqué toutes mes chaussettes, donc j'en ai bien besoin là-bas. Encore des coton-tiges. Encore des coton-tiges. Des sacs poubelles. Des sacs poubelles pour là-bas. C'est des 60 litres. Puisque, bon, moi ici, c'est des 100 litres que je prends, donc il n'y en a du pas. Du sel. Du gros sel, fait un moulin à sel à 99 centimes. C'est pour là-bas aussi. Je râle parce que j'ai pas trouvé le poivre. Oui. Deux belles cuillères de Noël pour faire des excellents gâteaux de Noël. Montre-les là. Voilà, juste superbe. Et ça, c'était pas un euro, hein, c'était, je sais plus, 70 ou 80 centimes. Un truc dérisoire. Du déodorant Rexona pour moi. Encore du dentifrice, ça c'est pour eux. Une veste pour la montagne, pour là-bas. Voilà. Une veste en taille L. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, elle est à 4,90 ou 95, 5 euros, donc je l'ai prise. On va faire la deuxième poche. Ah, alors, des mousses 3D pour là-bas, pour que je m'amuse. On a acheté une paire de gants pour moi, pour là-bas. Des leggings. Alors ça c'est des, je sais pas, c'est entre les, c'est comme des leggings mais c'est des bas en fait. Et en fait c'est pour le froid. Dame thermopanique, collant thermique, dame. Voilà, alors ça, c'était 2,50€ ou 59€. Et comme, ben voilà, je suis frileuse et j'ai pas de pantalon en fait. Donc du coup, j'ai pris ça et ça, j'en ai pris, je sais plus, 4 ou 5 paires. Hein. Voilà, parce qu'à ce prix-là, c'est quoi se priver. Elle a fait pas tomber. La deuxième boule de Noël, c'est un poney ou un cheval. À bascule, un cheval à bascule. Elle a fait pas tomber, montre-leur. Allez, à papa. Tu ranges. Ah oui, d'accord. Ouais, je le rangerai après. Ensuite. Mais celle-là, on va pas la casser. Je la rangerai après. On a ma maman a acheté à manger au lapin. Et oui, j'ai fait les provisions parce que 3 semaines, il mange pendant 3 semaines. Et mon mari, il ira pas action lui. Donc, des lingettes pour la toilette intime, donc je sais pas ce que ça vaut. Bon, c'est l'occasion hein, d'essayer, c'est pour là-bas au cas où. Non, mais ne les sort pas tous. Alors, oui, ma copine avec qui je pars m'a demandé de faire le stock de pâtes parce qu'elle avait mangé à la maison une fois et elle avait trouvé ça super pratique. Et comme après la cure, on n'aura pas envie de faire à manger, ce sera très bien. Voilà, donc il y a le stock. Voilà. Des collants 15 deniers, ça a l'air très bien. Ils ont l'air très bien. Je vous dirai ça.
Et ça, c'était 1 €, soit 1,50 € un truc comme ça. Pareil, un lot de deux bas. Voilà, ils sont quand même assez épais. Je sais pas si vous voyez, mais bon, voilà. Pareil, c'est 1,04 €. Des piles pour ma Xbox. Voilà. Voilà. Surtout pour la manette. Et encore des pâtes. Encore des pâtes. Oui, parce que ma fille m'en a demandé aussi. Donc, et encore, elle avait passé un rayon du coup parce que j'ai pris ça pour les WC là-bas. C'est du bref. Il est très bien. Et il est à 1,04 €. Des bonbons pour mon lapin qui s'appelle d'ailleurs Pampan. À la carotte. Et ben c'est pareil, comme c'est comme des bonbons, sauf que c'est à la lavande, c'est ça? Ouais, c'est à la lavande. Il les adore. Allez. Sinon tu vas mettre une croche là. Donc j'ai pris des bâtonnets encore. Voilà. Aux légumes et au miel. Sont vraiment pas chers comparé aux grandes surfaces, voilà. Donc les bas thermiques, les chaussettes. J'ai pris une je sais comment ça s'appelle, une fleur, je sais pas quoi, voilà, pour moi, pour là-bas. Des éponges pour là-bas, des lingettes poussière pour là-bas. Des nettoyants WC pour là-bas. C'est des lingettes. Et je les avais prises déjà. Et puis elles sont très bien. Je crois que c'est même pas 1 €. Donc pour là-bas, ça ira très bien. Alors, oui, je suis frileuse. Donc j'ai pris une cape encore. Elle est en laine toute douce. Et voilà. Donc je l'ai pris. Elle était à 4,90 €, un truc comme ça. Voilà, encore des pâtes. Encore des nouilles. Ben ça, c'est pour ma soeur. Non, non, ça va tomber. Pour ma maman. D'ailleurs, je vous remercie. Encore des bas. Voilà. Alors. J'ai pris du shampoing 900 ml. C'était 1 €, je sais plus, 70 ou un truc comme ça. Il y a quand même 900 ml dedans. Bon, ça c'est pour moi, vous vous en doutez. J'ai pris pour là-bas aussi ce savon, que je l'adore, donc du coup, voilà, ce sera bien pratique pour se laver les mains. Il est juste super ce. Non, c'est de la lessive, Théo. Aussi. Du gel douche pour moi pour là-bas. Le palme olive, comme d'habitude. Moi je me sers que de celui-là, je l'adore. Un après-shampoing, c'est le même que le shampoing, mais un après-shampoing, il est très bien aussi. Et voilà, 1 € quelque chose, même pas 2 €, donc il y a 900 ml aussi. Encore des pâtes. Et ensuite, elle a acheté de la lessive Ariel. Voilà, Ariel Gel, c'est pour là-bas. Et on fait 16 lavages. J'ai payé ça 3 €, je sais plus combien, moins de 4 €. Et j'ai trouvé ça très pratique puisque bon, il va falloir laver le linge, donc ce sera très bien là-bas. Pour nettoyer là-bas, j'ai pris de l'Ajax. Je pensais le concentrer. C'est multi-usage, ça fait tout. Voilà. Et il n'est pas énorme, donc oui. Encore du dentifrice. Encore du dentifrice. Donc c'est du Signal et il y a 2 tubes de 100 ml dedans. Et ça, c'était 2 € et quelques. Voilà. Ma fille m'avait demandé de lui reprendre le déodorant Playboy. Alors, il y a 2 sortes. Voilà. Donc, je lui ai pris ça. Un autre déodorant pour moi. Encore à manger pour le lapin. Oui, parce qu'en fait, c'est des paquets d'un kilo. Et le kilo, il fait quoi, une semaine ou la peine, quoi. Voilà. Donc du coup, j'y ai un peu. Pardon. J'ai pris ça pour nettoyer les WC. C'est un gel désinfectant. Donc, voilà. Pour là-bas.
Encore des collants. Je crois qu'il n'y en a plus de collants. Donc après, j'ai pris les ciseaux parce qu'ils sont à 1,99€ et qu'ils sont bien. Et que, ben voilà, du coup, je les ai pris pour là-bas. Voilà. Alors, ensuite, elle a acheté des flocons. Enfin, bizarre. Des flocons de neige. Des flocons de neige. C'est de la fausse neige, en fait. Voilà, pour mettre sur le sapin ou en bas du sapin, c'est ça? Non, c'est pour faire des boules de Noël, Théo. Ah, c'est pour les loisirs créatifs. Oui, parce que je vais faire des boules de Noël et donc c'est pour mettre dedans. Mais parce que si je mets ça au sapin, c'est bon, il y en a. On va en avoir partout dans la maison. Alors, oui, des stickers 3D. Alors, ça, c'est un cadeau de ma soeur. Pour moi, c'est que j'adore les stickers. Elle est avec moi aujourd'hui. Et l'autre jour, elle y a été et elle les a trouvés. Et comme elle savait que je ne pouvais pas y aller avec la voiture. Donc, du coup, elle m'en a pris deux comme ça. C'est de Noël, ceux-là. Ils sont juste magnifiques. Moi, j'adore. Voilà. Elle m'a pris celui-là. Je crois qu'il y en a deux, même. Voilà. Ah, ben ouais, il est là. Voilà. Elle m'a pris celui-là. Sachant que ma sœur, en général, elle me dit un peu, tu me saoules avec tes trucs créatifs, donc... Ça me touche vraiment beaucoup qu'elle y ait pensé parce que c'est pas du tout son genre. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que j'y en avais parlé et que ben, je râlais et que voilà. Ensuite, il y a celui-là. Ils sont juste magnifiques. Déjà que j'avais été gâtée, là, celui-là. Alors celui-là, je n'ai jamais vu sur. Il n'y en a qu'un. J'ai jamais vu sur une vidéo ou quoi. Bon, celui-là. Le pari encore. Je vous le montre vite fait, hein, parce que vous les connaissez, ceux-là. Celui-là. Ils sont beaux. Moi, j'adore. Ouais, là, je vais pouvoir en faire des trucs. Parce qu'elle m'a fait la razzia. Celui-là. J'adore celui-là. C'est bien français, t'as avec le vin et tout. Moi, j'adore le menu et tout. Ah, celui-là, m'a dit, il te le fallait. Parce qu'en fait, j'adore cuisiner. J'étais cuisinière, voilà. Quand je pouvais travailler. Voilà. Ça, c'est pour les stickers 3D. Ensuite... Alors, il y a des sublimes papillons. Franchement, ils sont trop beaux. Ils sont tout pailletés. Ils sont blancs et pailletés. Je sais pas si... Voilà. Voilà. Voilà, dans ma boîte, elle est créative. Ensuite, il y a... Ah oui, alors là, je suis trop contente, j'ai enfin trouvé. Attends, c'est pour... je sais pas comment ils appellent ça, en fait. Ah, c'est les boîtes à clés, en fait. Et ça faisait un moment que je savais qu'ils y étaient, mais je n'en avais jamais trouvé à Action, donc j'ai pris celui-là. Ça, c'était 2,69€. J'ai pris celui-là. Non, mais... J'ai pris celui-là. J'ai trouvé ça trop joli. Ne me demandez pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas. Ensuite, elle a acheté de la peinture. Les bombes en peinture. Elles sont en promo cette semaine. Elles sont à 1€, je sais plus, 59, un truc comme ça. Donc, j'ai pris en blanc. J'en ai pris d'autres couleurs, mais vous les verrez tout à l'heure. Ah oui, alors j'ai pris ça au rayon de Noël. C'est pour réaliser son propre mobile en papier. J'ai trouvé ça très mignon. Et voilà, j'ai dit pourquoi pas. Je verrai bien. Je vous dirai. Peut-être je le ferai faire aux enfants en cure, je sais pas. Pour les occuper. Il y a celle-là aussi. Voilà. Ensuite, elle a acheté du papier de couleur. Métallisé. Montre-leur. Pour faire des cartes. Ouais. C'est des cartes stop. Non, pas moi, le truc créatif. Après, il y a du papier alors, oui. Alors, j'ai profité pour une fois qu'il y en avait.
J'ai pris 5 lots de double carte avec enveloppe. Alors, dans les crus. Dans les blancs. Voilà, c'est parce qu'en fait, c'est rare quand il y a du 16-16. Et moi, j'aime bien pour faire des albums. Donc, l'album de Noël, c'était avec ce format-là. Et comme il n'y en a pas souvent, voilà. Bon, après, il n'y avait pas de craft. Tant pis, mais bon. Du coup, j'ai pris ça. Du ruban. J'ai trouvé des rubans au rayon de Noël. Donc, moi, je vais m'en servir pour les boules de Noël ou les albums. Ensuite, elle a acheté de la colle qui colle très bien. On n'aurait pas acheté. De la colle pour tissu. Et en fait, c'est deux colles pour tissu. Ah, je me suis trompée. Bon, voilà. De toute façon, j'en avais qu'une, donc c'est pas grave. Ensuite, elle a acheté des. Embellissements. Des embellissements en bois, taillés parfaitement. Sapin, cœur et étoile. Ils sont juste magnifiques. Enfin, c'est des embellissements, c'est pour accrocher. Mais moi, je vais m'en servir d'embellissement. J'ai pris des petits cœurs en liège. Ils sont pas bien épais et c'est très bien pour faire des couvertures. Pour le scrap, c'est super. Ensuite, elle a acheté des ciseaux. Encore, oui. Ils sont super, ils coupent bien et c'est 80 centimes, je crois. Voilà, donc j'en ai pris deux. Des petits ciseaux, trop mignons. Oui, vous les connaissez, c'est même pas 1 euro. Voilà, ils sont très bien aussi. Et du coup, les autres, je les ai abîmés, donc je les ai repris. Encore du ruban tout doré. Ouais. Très beau. Essaye de leur montrer le dessin. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne vais pas les ouvrir parce que si je les prends là-bas, après, je vais en avoir partout. Donc c'est pour ça. Des diamants. Ah oui, alors j'ai trouvé des nouveaux stickers diamants. Donc c'est le même que l'autre jour, sauf que là, ils sont bleus. Je les adore. J'ai trouvé ceux-là. Il me semble qu'ils sont nouveaux ceux-là, mais moi je suis pas sûre. Moi je les mets avec l'horloge. Je sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai pris ça, ceux-là, avec des fleurs. Bon, les bleus, j'en ai pris deux. J'ai pris celui-là aussi. Et j'ai pris celui-là. Alors j'avais une copine qui m'avait demandé si jamais je les trouvais les feutres alcool de les en prendre. Je lui avais dit mais là tu rêves puisque j'en trouvais pas. Et en fait, non, j'y en ai trouvé. Donc je lui ai pris alors c'est du rose et rouge. J'y ai pris c'est du bleu dans les bleus. Et ça c'est un autre bleu plutôt turquoise je pense. Pastel. Voilà. Ah non, green. Ouais, vert. Bleu-vert, en fait. Voilà. Y en avait d'autres, mais ceux-là, j'étais sûre qu'elle les avait pas. Et voilà, donc du coup, j'ai pris ça avec Contame. J'ai repris ces embellissements-là. Il y en avait d'autres. Ensuite, elle a acheté une boîte pour la cure, je pense. Ouais, c'est pour mettre mes encres, pour pas que ça coule partout. Voilà. Merci. Une autre boîte aussi, je pense, c'est pour la cure. Voilà, c'est pour mettre mon matériel, pour pas que pour la poudre embossée, tout ça. Les petits trucs qui coulent, quoi, voilà. Et les boîtes, c'était 1,69€, je crois. Et 1,70€, un truc comme ça. C'était pas bien cher. Ensuite, elle l'a racheté. Alors, la bombe, je l'ai pris en rouge aussi, la bombe de peinture. En noir. Et en gris. En gris. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme gris. Anthracite. Voilà. J'osais pas le dire. Voilà. Et anthracite. Et en doré. Voilà. Ben oui. Voilà. Doré couleur pain. Oui. Et un doré pour Noël. Le rouge aussi, c'est pour Noël. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais moi je les aurai. Ensuite, elle a acheté du papier blanc. Et. Du papier blanc métallisé du cardstock. Voilà. Pareil, c'est moins d'1€. J'ai pris 2 paquets d'enveloppes parce que
si elles sont de bonne qualité, ça peut me servir pour les faire des albums et ça ira plus vite. Donc du coup, alors la qualité, je verrai ça. Je ne sais pas. Voilà. C'est quand même assez long les albums à faire. Donc du coup, j'ai pris de l'eau de bloc-notes parce que je voulais faire des bloc-notes. Voilà. Encore de la mousse 3D. Après, hop. Ensuite, elle a pris encore des rubans. Cette fois-ci, gris. Enfin, avec beaucoup de paillettes. Mm-hmm. Gris argenté. Encore doré. C'est de la toile de jute avec des dessins dorés. Ensuite, le même froc, c'est à peu près le même, mais pas. Mm. C'est la même couleur, mais pas les mêmes dessins. Ouais. Voilà. Ensuite, trois autres. Ben, encore un doré. Ensuite, tiens. En toile de jute et rouge pailleté, pardon. Voilà. Et un autre argenté. Après, j'ai repris des cœurs en liège. Ça peut toujours servir. C'était rien. Ça coûtait rien du tout. Encore des rubans. Des rubans. Regardez le même. Comme il est rouge. Beau. Magnifique. Pour un album, quoi, ça va être juste sublime. Et un doré encore. J'ai repris des embellissements encadrés. Et celle-là, parce que je me dis que ça peut me servir pour l'album Naissance, comme c'est des cuisiniers. Voilà. Donc j'ai pris un lot de pince à linge parce que je suis un peu limite pour. C'est pour le scrap. Voilà, enfin, j'en ai pas assez. Et voilà. Donc voilà, alors c'est tout pour Action. Mais comme j'ai passé la journée dehors avec ma soeur, et ben, du coup, j'ai été gâtée encore. Donc je vais vous montrer ça. Alors, j'ai acheté des chaussures. Ouais, et je suis contente parce que d'habitude, avec mes problèmes de santé, que je peux pas avoir de talons et tout, je me tape toujours des ballerines en fait. Et donc, du coup, ça change. Je les ai achetées à Besson. Et elles étaient à 35 euros au lieu de 55. Donc, je suis ravie. Et mon mari m'avait dit de prendre une paire de bottines. Parce que j'ai des bottes, mais j'ai pas de bottines. Et du coup, j'ai trouvé celle-là à Besson aussi. Et elles étaient à 50 euros, je crois. Ouais, voilà, 50 euros. Voilà. Et hier, mon fils à Chaussea a trouvé les tennis lumineux qu'il voulait. Je vous montre les. Voilà. Alors sachez-le, normalement elles valent 70 euros. À Chaussea, elles sont à 30 euros ou 34 euros, suivant le modèle que c'est. Donc si vos enfants en veulent, allez vite à Chaussea. Bon, il manque des tailles, parce qu'il est bleu en noir, mais bon voilà. Et ça vaut le coup, quoi. Et là, j'y suis retournée pour en acheter à ma fille aujourd'hui, et il n'y avait pas sa taille. Donc voilà, si comme les miens, vos enfants soient accros aux lumières. Voilà. Si vous ne voulez pas les payer 70 euros, ben, vous les avez à Chaussea à 30 euros. Non, mais il y en a partout. Ouais, dans tous les Chaussea, même sur Internet. Voilà. Donc, ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est qui est déjà pas mal. Je crois que je n'ai jamais autant acheté à Action. Voilà, il fallait bien faire le plein pour ici et pour là-bas. Donc, j'espère que ce gros haul et ce craquage vous a plu. J'espère que je pourrai vous faire des vidéos de temps en temps pendant ma cure. Voilà, je vous remercie encore pour votre gentillesse. Vous êtes adorables et je ne le dirai jamais assez. Vous allez me manquer aussi. Voilà. Bon, je crois que je vais vous dire au revoir et à très bientôt. Je vais dire au revoir. Au revoir, à la prochaine vidéo. Au revoir, plein de gros bisous. Ciao, ciao.